Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je fais cette intro. Genre, vraiment, je me pose la question. Je vous dis bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais vous savez que c'est une nouvelle vidéo, c'est débile. En fait, à chaque fois que je le dis, je suis en mode, pourquoi je dis ça? Bref, je vais tester les snacks IKEA du Canada. J'avais déjà fait une vidéo IKEA, mais c'était plus j'avais mangé IKEA, je crois. Autre chose, j'aimerais rétablir la vérité sur un produit, c'est pour ça que je fais mon intro dans la salle de bain. Le sérum de chez Aromazone en fait. Vous avez été nombreux, et j'ai même une copine, Juliette, qui m'a dit « Myriam, par contre, là, ça va pas le faire, t'es en train de maltraiter mon bébé. » Elle me dit « Tu vas essayer tout de suite de mettre de l'eau avec ce sérum. » Et c'est vrai, c'est magique. Merci, en tout cas, à tous. Juju, tu passes par là. Parce que depuis que je sais qu'il faut mettre de l'eau avec ce sérum, c'est un incroyable. Donc voilà, j'ai un peu mouillé mes mains, je mets une petite lichette, ça suffit en vrai. Et vraiment genre, quand je mets ce sérum, je suis en mode, ma peau là, oh, incroyable. Genre, je me sens hydratée et ça colle pas et c'est... Je me sens peau de bébé, vous voyez. Elle m'a dit, c'est vrai, tu le mets sans eau, c'est le pire sérum ever. Bah ouais. Après, je mets toujours ma petite crème de chez Bioderma, parapharmacie. Donc je vais aller avec ma soeur, elle déménage, elle prend son appartement avec son copain. Elle a trop de la chance. Je suis jalouse de ma sœur. Non, je suis pas jalouse. Vraiment, je suis trop contente pour elle. C'est trop cool, en fait, de dire qu'un membre de ta famille soit épanoui. Et en plus, de prendre un appartement à Montréal, mais c'est trop stylé, je trouve. Vous imaginez, genre, elle s'installe avec son chéri à Montréal. Voilà, donc on va faire ça. Elle va faire un peu de repérage à IKEA. Et moi, je vais manger. Bah, les snacks que j'adore à IKEA, c'est les hot dogs et tout. Enfin, bref, vous allez voir, vous connaissez, je pense. Je sais pas s'il y a des trucs différents au Canada. Ah si, il y a des trucs différents au Canada, de ouf. Je me maquille juste mes sourcils, j'ai pas envie de faire le reste. La flemme. Donc voilà. Let's go. Mon chauffeur est arrivé, Sarah. Sarah Tasty. Franchement, c'est une vraie Montréalaise, ça y est. Hein. Voiture et tout. Ma sœur. Ma sœur. Coucou la commu, en fait. T'as vu tous les boutons que j'ai sur la face? Je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Ça va? Non, mais j'ai jamais eu ça. Mais je trouve pas. Non, mais ça va, au calme. Tranquille. On lui est bien. On est arrivé. Et je suis même pas en manteau, il fait super bon. Il y a genre 3-4 jours, j'étais en mode il fait trop froid au Canada. J'ai mis mes lunettes. Tes lunettes? Ah ça y est. Parce que quand j'ai pas mes lunettes, je suis overwhelmed. Ah ouais? Ouais, quand je peux pas voir bien. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand je peux pas bien ah ouais, voir dans des paniques, magasins. Genre tu paniques genre. Bah je suis overwhelmed, je suis en mode bah je vois pas bien en fait. Là je capte. Comme quand je fais les courses et tout, il faut que je vois bien. Donc voilà, on va au Swedish Food Market. Sarah elle est toujours là dans mes aventures. À chaque fois c'est un bourbier avec moi. Sarah fait sa sélection. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Telle est la question. Le hot dog VG a l'air meilleur que le hot dog. Mais le hot dog VG c'est un banger ma sœur. Ça a l'air d'être une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, on a fait une sélection dans les snacks, mais vous n'êtes pas prêts en fait. Genre là, je me suis refaite. Vraiment, j'en ai commandé pour 30$ alors que c'est pas cher normalement IKEA. Après, j'ai pris pour ma sœur, j'ai payé pour ma sœur, donc normal. Vous allez en avoir pour vos petits yeux et pour vos papilles surtout. Ça par contre, on est d'accord, c'est toute ma vie. Les cinnamon rolls. Oh ça! Ça, ça a l'air trop bon. Ah là, c'est au pain d'épices. On y commande combien nous? 97. Le 7, toujours là. Moi, il y a un truc, vraiment, c'est ma vie entière, c'est ça, la tarte au dindes. Je crois que je vais en prendre une. C'est vraiment toute ma vie. Par contre, je comprends pas pourquoi je suis rouge là. J'ai les joues rouges comme si j'avais super chaud alors qu'il fait pas non plus super chaud, ça va. Alors, les gars, on a un festin là. On a 4 hot dogs. On a 4 hot dogs. On a une poutine, une glace, un sandwich. J'ai pris un lait chocolaté, je voulais trop le tester. Bon, la configuration n'est pas très pratique parce que du coup, on peut pas s'asseoir. Vous tenez en équilibre là. Je pense que là on est bien. Attendez, je vais checker le setup. Alors, vous connaissez mon amour pour la poutine, ceux qui ont vu ma dernière vidéo quand je teste les spécialités du Québec. Mais il fallait qu'on teste la poutine IKEA, on avait pas le choix là. Voilà. Ça va, elle est bonne. Je suis trop mauvaise langue. T'as vu comment je critique la poutine? C'est pas bien. J'ai appris que si le fromage faisait squinch squinch, c'est que c'était un bon fromage. Apparemment. Il fait bien squinch squinch là. Il est bon, j'aime bien cette poutine. Et le dog maintenant. Attendez, je vais me servir de la boisson. Ça, c'est un truc que j'adore chez IKEA, leur boisson là. Oh, j'aime trop. Et moi, ma préférée, c'est... Je crois que c'est celle-là, ma préférée. Leur boisson framboise, elle est trop bonne. Elle est pas trop sucrée, on sent bien la framboise. J'aime trop. Trop rafraîchissant, elle est fraîche. Non mais c'est n'importe quoi, tout ce que j'ai pris, ça va pas ou quoi moi? J'ai cru que j'allais manger pour 15. Mais ma sœur, on a beaucoup trop pris. J'adore, hein. Une tarte. Qui est team moutarde dans le hot dog? Moi, je suis team moutarde de ouf. Moi, mais tellement pas. Moi, c'est ketchup mayo. Sinon, barbecue, tire.
Ça c'est chier en fait. Ouais, mais au pire on le prend à emporter. Oh, le hot dog. Par contre, c'est trop nul parce qu'il est pas garni lui. Il y a pas les petits oignons les oignons non, comment frits, ouais. Les oignons frits et tout et le chou. Normalement, il y a le chou. T'en penses quoi toi? Je vais terminer en fait. Mais déjà, j'avais la dalle, j'ai pas mangé depuis ce matin. Il est 13h30 là. J'en veux. Ma vie. Alors, je goûte le VG mais sans moutarde parce que j'aime pas ça. Bah pas ouf hein. Ah, t'as un goût de plante. De plante? Parce qu'il y a beaucoup de légumes. Goûte la poutine. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien, en vrai. Sarah aime la poutine plus que moi, d'ailleurs. Bah, en vrai, ça, hein, elle est bien. Elle est bonne, hein? Ouais. Le fromage crunch, il est pas trop fondu, c'est chiant, ça. Mais apparemment, j'ai appris, suite à ma dernière vidéo, les spécialités québécoises. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Quand ça fait squinch, c'est que ça veut dire que c'est un bon fromage. En bon état. Moi, j'ai goûté le hot dog chili, là. Ah ouais, il y a un hot dog chili, c'est vrai. Je veux le goûter aussi. Il est bon, mais c'est des saveurs que t'as pas envie d'avoir ensemble, genre. Ah ouais? Ah, je peux goûter? Moi, déjà, là, c'est de la viande, tout ça. J'ai l'impression qu'il manque du ketchup ou quoi, tu vois. Il manque une saveur, en fait. Je sais pas si ça veut. Oh! Ah non! Mais la saucisse, elle est pas bonne. Genre une knackie, là. Je vais goûter le sandwich aux œufs. Sandwich aux œufs. Le pain a l'air pas mal. J'aime. J'aime de ouf. C'est frais. Ça fait œuf mayo. Le pain est bon. J'aime beaucoup le sandwich. Bah franchement, c'est super bon. Tu veux goûter ou tu veux pas goûter? Bah goûte pas alors. Moi, je suis à mon deuxième hot dog là. J'ai mangé un hot dog, un sandwich et là un autre hot dog. C'est toi qui a croqué? Qui a croqué mon hot dog? Je crois pas. Hein. J'ai eu envie de croquer. Mais si tu l'as croqué. T'as croqué parce que tu l'as goûté sans la moutarde. Ah oui, c'est moi qui ai croqué. C'est bon, on a trouvé l'individu. T'as résolu. Mais en vrai, vu que j'ai couru ce matin, j'ai trop la dalle moi. Glace, confiture et rennes. Leurs glaces ici, elles sont incroyables. Avec les prix. Oh là là, c'est ma vie. C'est quoi Erel alors? Erel, je crois que c'est une baie rouge de Suède. Oh, ok. En vrai, 30$ ça va, hein, pour tout ce qu'on a. Hein. Bah oui, franchement, on a mangé pour tout repas là. Mais là, même une troisième personne, elle pouvait manger avec nous. Mais on va prendre des trucs à emporter là. Ouais, elle est bonne la glace. Elle est bonne, hein? Sarah, elle l'aime. Alors que de base, les trucs aux fruits là. Sarah, elle cherche son canapé. Sarah, elle est en train de faire des calculs. Non mais. Genre moi incapable de faire tout ce qu'elle fait hein. De tête. Mais de tête. Je suis créatrice. Je te fais croire que c'est de tête. 304.8. Ouais, on a une matheuse dans la famille, ouais. Donc ça fait 1 mètre. Là l'espace que j'ai là c'est à peu près 1 mètre. Oh, je vais goûter. Naël, il a été à mon brunch préféré de tout le temps. Regardez. C'est genre pain doré pistache fraise. Ça a le goût de pistache. Ok, les amis. Je finis la vidéo Ikea. J'en peux plus. My washacha is clean. Est-ce que t'as déjà goûté ça? Ben, ça me dégoûte. C'est du... lait chocolaté. Alors, du coup, chez Ikea, ils proposent des petites barquettes comme ça. 1$ lait chocolaté. Et moi, je me suis dit... vas-y, je veux trop tester, c'est peut-être comme du candy hop. Mais du coup, Naël, il est en mode non. Déjà, ça fait un verre, c'est assez épais. Ah, mais attends, ça sent l'yop. Oh, c'est bon, j'aime, moi. Je trouve que ça a pas trop le goût de chocolat, ça a le goût de lait. Je sais pas, j'arrive pas à définir le goût. C'est bon, quand même. J'aime pas le lait, je suis intolérant. Attends, je regarde si je suis... Alors, mais t'aimes pas le lait, t'as dit, de toute façon. Ouais, ça a trop le goût de lait, j'aime pas. Quelle surprise! Là, j'étais tranquille tout l'après-midi pour faire la vidéo. Je l'ai pas fait parce que je suis partie courir, je me suis lavé les cheveux et tout. Et maintenant, on fait trop de bruit. Et au moment où je fais ma vidéo, ils arrivent tous. Oh, moi, j'aime trop la bouffe. Oh là là! Ces brioches, ça va faire quand? Je veux goûter. Oh là 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 là! C'est incroyable! Mieux que la pistache. T'as goûté? Caramel un peu beurre salé. C'est Je suis pas très bacane. C'est incroyable. Bacane? Pas calme, ils disent ici. Prochaine dégustation, mon gâteau préféré de tous les temps que j'adore. Alors, le gâteau de Mimi Tasty. J'ai un souvenir de ça, vous savez, quand vous allez au grec, ils donnent les petites parts de tarte au dinde. Bah, c'est bon, ouais. Mais moins bon que ça. Ah ouais? Parce que, genre, je veux dire, normalement, t'es en mode. Bah oui, moi, parce que j'adore. Mais vous, j'ai mangé ça d'abord. Je suis un peu déçue. Oh non. Non, mais je l'aime trop, ce gâteau. Genre, je suis pas déçue du gâteau, tu vois, parce que voilà. C'est bon, on va prendre une petite part. La dégustation du gâteau de dinde, ma réaction.
Le packaging fait beaucoup de choses. En fait, je trouve que le dessus est hyper bon, le chocolat est hyper bon, mais tout le milieu, aucun intérêt. Ouais. Ça n'a pas de goût. Ça a juste le goût de sucre. Oui. Tu sais, je disais que je voulais ça en gâteau d'anniversaire. Je change d'avis, je veux plus ça. Je veux quelque chose de fancy. C'est bien de ton anniversaire. Suivez mes aventures. Emery Tasty. Moi, j'aime ce gâteau. Ça restera dans mon cœur parce que c'est un souvenir d'enfance. Bon, bref, Emmerich n'aime pas. Moi, j'aime. En fait, franchement, j'avoue, je crois que mes goûts, ils sont en train de changer. Vu que je mange plein de belles choses. Genre, franchement, là, ta brioche, là, dinguerie. Donc, voilà, c'est la fin de cette dégustation snack. Et je me suis encore régalée. J'ai adoré. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On s'abonne pour la force. Bisous. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Love you.